à la barre. Oh, quelle occasion ! Bien négocié par le gardien. Le ballon qui file en touche pour le Bayern. Devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, hein, c'est d'étouffer l'adversaire. Long ballon, loin devant. Le pied de coin. Le défenseur qui a bien jailli pour écarter ce... la frappe. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Ah non, c'est contré. Müller. Ekdal. Oui, le bon tacle. Franck Ribéry maintenant. Lewandowski. Intelligent, très réussi. Il récupère le ballon. Van Pogba. La balle pour Ribéry. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché ce qu'on appelle le bal un petit peu tôt. Bon, papa. Ribéry. Donc, Ribéry, formidable. Couloir gauche, mais un joueur qui adore déborder sur le flanc gauche. Rapide, hein, doté d'une bonne frappe de balle. Il est souvent dangereux quand il part balle au pied. Albin Ekdal. Ilicevic. Mitor, c'est la... Il sent que son équipe a besoin d'afficher un autre visage pour égaliser. Et c'est pour ça qu'il demande ce changement. Retour à l'Allianz Arena pour le coup d'envoi de la seconde période. Arturo Vidal. À la barre. Très malin là, de faire une main à cet endroit. Ah, c'est sûr que c'est jamais malin, mais vous avez raison, ici c'est encore plus problématique. Les joueurs du mur qui s'avancent. L'arbitre qui ne se laisse pas influencer par le mur. C'est parti. Il a passé levé son ballon. Le mur avait sauté. Corner à suivre. Et le tir. Javi Martinez. Très bonne sortie du gardien. Eh oui, il fallait y aller sur ce ballon. Votre analyse, Franck, sur la première période de ce joueur? Il peut faire encore de belles choses au retour des vestiaires. Avec le ballon maintenant, Arjen Robben. Vidal. Passe de cette récupération. Et oui, sort B. Oh, c'est le pressing à tout va maintenant. Ah, l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans la construction. Le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Et cherche un partenaire dans la surface. Le but ! Les revoilà, égalité ! Les joueurs du Bayern qui engagent. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Et c'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. Ah oui, ça chauffe! Ouais, je le tire! Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue!
Il est à la récupération au milieu de terrain. Albin Ekdal. Oh, c'est un grand face. Ok, à son ballon qui n'inquiétera pas le gardien finalement. Il faut dire que la pluie n'aide pas beaucoup les joueurs. Philippe Lahm. Philippe Lahm, défenseur latéral très précieux. Il est assez redoutable en 1 contre 1 et sa qualité de centre est primordiale quand il monte aux avant-postes. C'est sifflé, que dit l'arbitre. Il n'y a pas à discuter, c'est le jaune. Qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Allez, corner donc. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Je crois quand même qu'il était trop loin pour espérer quoi que ce soit. Allez, au centre. Il ne trouvera personne sur ce centre. Et le ballon qui file en sortie de but. Mauvaise passe, ce sera une touche. Il s'avance vers la surface. Et oui, sorti. Le long de la ligne de touche. Et les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Ah, bien joué le défenseur. Lewandowski. Sa chance. Et Bayern qui marque. But du Bayern. Le défenseur a été complètement dépassé sur cette action. Le buteur a remporté son duel et après il est parvenu à tromper le gardien. Très bel exploit individuel. Regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Ouais, 1-2. Garbage. Alors on va regarder ce que dit l'arbitre. Ribéry. Les joueurs du Bayern qui se sont rapprochés de la zone de vérité. Touche à suivre. Ballon pour Franck Ribéry. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Hunt. Philippe Lahm. Attention à cette perte de balle au milieu. Alors, carton, pas carton. Ouais, l'arbitre qui sort le jaune. Oui, le joueur qui commet bien une faute. Hein. L'arbitre a pris la bonne décision. On voit que le joueur prend la jambe du porteur du ballon. Et c'est parti. Le ballon qui passe tout près de la cage quand même. C'est un placement dangereux et le gardien peut respirer. Un ballon qui revient dans les pieds du Bayern. Oula, ça c'est magnifique. N'essayez pas de faire ça chez vous. Et la voilà, la frappe. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. On va tenir finalement corner. Ah,
Javi Martinez. Tête, oui, le but. But. L'élimination était écrasante, c'est logique hein, que ça ait fini par payer. Il a mis tout son cœur pour frapper ce ballon de la tête. On revoit ce but sous un autre angle. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Ilicevic. Traic. Hunt. Ilicevic. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Est-ce que c'est un bon centre? Il dégage du point. Bien joué, ça ne passe pas. La Ribéry qui part au contact. Dermic. Ekdal. L'Allianz Arena qui est bien évidemment le stade du grand Bayern Munich. Oui, le club bavarois y a pris ses quartiers en 2005, abandonnant le stade olympique. Ouais, il faut faire le bon choix maintenant. Müller. Oh, dans la boîte. Et ce sera un corner. L'arbitre qui a décompté 5 minutes de temps additionnel. Le centre pour Lewandowski. Ouais, bonne prise de balle du gardien, pas de problème. Bonne récupération au milieu de terrain. Ribéry. Ribéry, un joueur qui adore partir en percussion. Est-ce un peu sa marque de fabrique? Il adore embarquer les défenseurs pour ensuite délivrer des centres millimétrés. Et le break. Il joue son bateau. Il veut voir son équipe égalisée. Fait ce qu'il faut pour. Retour à l'Allianz Arena pour le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, parfait cette interception. On ne peut pas. Robert Lewandowski. Ah non, c'est contré. Catcher. On ne peut pas. Faute et coup franc, ça peut être dangereux. Faute et carton jaune, rien à dire. Et surtout attention, un coup franc derrière. Et l'arbitre qui choisit de siffler faute hein, sur ce tacle. Et tacle irrégulier pour l'arbitre. Ce sera donc le coup franc. Et c'est parti. Ah, le gardien le touche hein, pourtant. Allez, pour le plaisir, le petit ralenti de ce but. Et boum, une frappe de balle très pure hein, sur ce coup de pied arrêté. Le gardien est battu. Il attend.